Le roi Charlemagne, dit l'empereur à la barbe fleurie, fut un guerrier renommé et un puissant conquérant. Il écrasa les Lombards et les Saxes qu'il convertit au christianisme. Puis, durant 7 ans, Charles guerroya en Espagne, où il s'empara d'un vaste territoire, s'étirant de la mer à la haute terre. Aucun château ni cité ne le résistèrent, hormis Saragosse, défendue par le roi Marsile. Les yeux sombres, la barbe noire, la peau brune, Marsile était un mort, servant Mahomet et priant Apollin. Mais Marsile ne put éviter le grand malheur qui l'atteignit. À Saragosse, une chaleur suffocante régnait dans les vergers. Là, sous des dizaines de milliers d'yeux, le roi Marsile était allongé à l'ombre, sur un perron marbre bleu. Il réunit ses ducs et ses comtes. « Seigneur, un grand fléau nous frappe. Charles, le roi de France, sera bientôt à nos portes. Mais je ne possède aucune armée pour l'affronter. Mes hommes ne sont pas de taille à se mesurer aux siens. J'en appelle à vous, mes sages seigneurs. Donnez-moi vos conseils afin de me préserver de la mort et de la honte. » Personne ne répondit. Seul Blancandrin, du château de Valfonde, s'avança. Blancandrin était un des hommes les plus sages parmi ceux de Marsile. Sa bravoure en faisait un excellent chevalier, et sa sagesse, un bon conseiller pour son seigneur. Il dit au roi : « Sire, n'ayez crainte. Apportez à Charles un message de féauté. Offrez-lui de riches présents. Dites-lui qu'il guerroie depuis bien trop longtemps dans ce pays et qu'il est temps pour lui de retourner en France. Promettez-lui en revanche que vous le suivrez pour la fête de Saint-Michel, où vous adopterez la foi chrétienne et vous deviendrez ainsi son vassal. S'il veut des otages, offrez-en 10 ou 20 pour gagner sa confiance. Donnons-lui les fils de nos femmes. Même s'il doit périr, j'y enverrai le mien. Lorsque les Francs repartiront dans leur contrée, Charles donnera de grandes célébrations pour la Saint-Michel. Dans sa chapelle à Aix, il vous attendra. Mais vous ne vous présenterez pas. Le roi sera bien sûr furieux, et par orgueil, il fera trancher les têtes de nos otages. Néanmoins, il vaut mieux qu'ils perdent leurs têtes que nous perdions, nous, notre belle Espagne. » Toute l'assemblée approuva la proposition de Blancandrin. Alors le roi Marsile appela ses 10 seigneurs les plus perfides. Clarin de Balaguer, Estamarin et le seigneur Audrouprin, Priamon et Garland le Barbu, Machiné et son oncle Maheu, Jounet et Malbien d'Outre-mer, ainsi que Blancandrin. « Seigneur baron, vous irez à la rencontre de Charlemagne. Il se trouve actuellement devant la cité assiégée de Cordoue. Vous porterez en vos mains des branches d'olivier comme symbole de paix et d'humilité. Si vous parvenez à trouver en mon nom un accord, je vous couvrirai d'or et d'argent. Je vous offrirai des terres et des fiefs tant que vous voudrez. « Sire, ce serait nous combler, » répondirent les païens. « Sire, par là vous obtiendrez un bon accord, » ajouta Blancandrin. Marsile fit amener 10 mules blanches aux brides en or et aux selles serties d'argent. Les messagers se rendirent auprès du roi de France. Mais Charles ne put éviter la trahison. Finalement, Cordoue tomba aux mains de l'empereur, et ses chevaliers amassèrent un immense butin fait d'or, d'argent et d'armures précieuses. La cité ne comptait plus aucun païen. Tous furent tués ou faits chrétiens. L'empereur Charles se trouvait dans un grand jardin. À ses côtés se tenaient Roland et Olivier, le duc Samson et Anseïs le Fier, Geoffroy d'Anjou, confalonier du roi, mais aussi Gérin et Gérier, et avec eux tant d'autres venant de France. En tout, ils étaient 15 000. Assis sur de grands tapis de soie blanche, les chevaliers se divertissaient. Les plus sages et les plus vieux jouaient aux échecs, tandis que les plus jeunes s'entraînaient à l'épée. Sous un pin, on avait dressé un trône en or où siégeait le roi de France. La barbe blanche, une couronne sur la tête, Charles se tenait dignement. Les messagers s'avancèrent directement auprès de lui, mirent pied à terre
et le saluèrent avec respect. Blancandrin déclara à Charlemagne : Sire, je vous porte un message du roi Marsile le Preux. Il reconnaît votre Dieu comme le vrai roi et souhaite se soumettre à sa loi ainsi qu'à la vôtre. En signe de bonne foi, Marsile désire vous offrir une grande partie de ses richesses. Des ours, des lions et des chiens, 700 chameaux et 1000 faucons, 400 mulets chargés d'or et d'argent, 50 chars pleins de trésors. Vous recevrez tant de pièces que vous pourrez en distribuer à vos chevaliers. Toutefois, votre grâce, vous êtes resté bien trop longtemps dans ce pays. Marsile vous prie de retourner en France où il vous suivra afin de recevoir la foi chrétienne. Joignant les mains, l'empereur inclina la tête et médita un instant. Vous avez bien parlé, mais le roi Marsile est mon grand ennemi. En quoi puis-je croire vos paroles ? Nous vous donnerons des otages, rétorqua le sarrasin. 10, 15 ou 20. Je vous confierai mon propre fils. Et vous en recevrez d'autres encore plus nobles. Lorsque vous serez dans votre palais pour la fête de Saint-Michel, alors Monseigneur vous rejoindra, afin de recevoir le baptême de vos propres mains. Il est encore possible pour Marsile d'obtenir le salut. La nuit porte conseil. Je prendrai ma décision demain matin. En attendant, veuillez rester avec nous ce soir. Alors on conduisit les mules des messagers dans les écuries et on dressa une grande tente où les hommes de Marsile passèrent la nuit. Aux aurores, après les matines, l'empereur convoqua son conseil. Réuni sous un arbre se trouvaient le duc Augier et l'archevêque Turpin, Richard le Vieux et son neveu Henri, le preux comte de Gascogne à Selin, Thibaut de Reims et son cousin Milon. Vinrent aussi Gérier et Gérin, ainsi que le comte Roland et Olivier. Et il y avait aussi parmi eux le futur traître, Ganelon. « Seigneur baron, le roi Marsile m'a fait porter un message. Il souhaite m'offrir de nombreux présents en gage de paix. Toutefois, il réclame mon départ pour la France, assurant qu'il me suivra à Aix où il me prêtera allégeance et adoptera la foi chrétienne. Mais je ne sais quel est le fond de son cœur. »« Sire, méfions-nous !» répondirent les Français. « En Marsile, on peut avoir foi !» ajouta le comte Roland. « Il vous a déjà trahi par le passé lorsqu'il fit envoyer 15 de ses hommes portant eux aussi des messages de paix. Sous les conseils dérisoires de vos seigneurs, vous avez envoyé à ce païen deux de vos comtes, Bazan et Basile. Mais dès qu'il en a eu l'occasion, Marsile leur a tranché la tête. Sire, poursuivez la guerre comme vous l'avez commencé. Conduisez votre armée aux portes de Saragosse. Assiégez la ville, toute votre vie s'il le faut. Ainsi vous vengerez ceux qui ont été lâchement assassinés. » Silencieux, l'empereur garda la tête baissée. Il réfléchissait tout en lissant sa barbe blanche. Puis Ganelon se leva et intervint. « Votre grâce, vous avez vaincu le roi Marsile. Vous lui avez pris tous ses châteaux, brûlé toutes ses cités, vaincu tous ses hommes. Aujourd'hui, il requiert votre pitié et vous offre des otages. Il désire vous jurer fidélité et accepter notre foi. Rejeter une telle offre vous ferait passer pour un orgueilleux. Il est grand temps que cette guerre cesse. » Toute l'assemblée acquiesça suite au discours de Ganelon. Alors, l'empereur demanda. Qui enverrons-nous à Saragosse porter ma réponse auprès de Marsile ? J'irai, si vous le voulez bien, répondit le duc Nem. Non, vous avez toujours été de bons conseils pour moi. J'ai besoin de vous à mes côtés. Sire, j'irai, déclara Roland. Certainement pas, intervint le comte Olivier. Vous êtes bien trop farouche et présomptueux. Je crains que vous ne veniez attirer l'épée. C'est à moi d'y aller. Taisez-vous, vous deux. Aucun de vous n'ira. Turpin de Reims se leva et déclara au roi. Vos barons ont enduré bien des souffrances et des luttes acharnées. Après 7 ans de combat en Espagne, ils méritent un bon repos. Sire, je vais rencontrer Marsile et voir de quel bois il se chauffe. Asseyez-vous ! Ne vous avisez plus de parler sauf si je vous en donne l'ordre. Rétorqua l'empereur irrité. Puis il ajouta. « Chevalier de France, choisissez pour moi un baron de ma terre qui portera ma réponse à Marsile. Ce sera Ganelon, mon beau-père, » rétorqua Roland. Les Français approuvèrent. « C'est certes l'homme idéal pour cette mission. Il n'y a pas plus sage que lui. » Vert de peur, le comte Ganelon se leva brusquement, rejetant au sol ses grandes peaux de martre et se retrouvant en bliot de soie. « Pauvre fou, qu'est-ce qui te prend ?
Je suis ton beau-père, mais tu souhaites m'envoyer auprès de Marsile, me condamnant à une mort certaine. Mais si, par la grâce de Dieu, je reviens de là-bas saine et sauf, ma haine envers toi sera immense et éternelle. Mon oncle, pourquoi une telle rage? Tout le monde le sait, je ne crains aucune menace. Mais pour livrer un message, il faut un homme raisonnable tel que vous. Toutefois, si le roi le désire, je suis prête à y aller à votre place. Tu n'iras pas. Tu n'es pas mon vassal, je ne suis pas ton seigneur. Charles me commande de porter sa réponse. J'irai à Saragosse voir Marsile. Mais tu ne t'en tireras pas à si bon compte. À ces mots, Roland éclata de rire. Ce qui énerva davantage Ganelon. Je ne t'estime pas, car c'est toi qui as injustement poussé les Français à me nommer. Sire, me voici devant vous, prête à accomplir mon devoir. J'irai à Saragosse. Il le faut, je le sais bien. Mais quiconque s'y rend n'en revient pas vivant. Sire, je vous prie de vous souvenir que votre sœur est ma femme. J'ai d'elle un fils, le plus beau qui soit. C'est Baudouin qui sera un homme courageux. C'est à lui que je lègue mes terres et mes fiefs. Je vous prie de prendre soin de lui, car je ne le reverrai plus. Ganelon, vous dramatisez la situation. Mais puisque je vous en donne l'ordre, il vous faut partir. Approchez et recevez le bâton et le gant. Vous l'avez entendu, les Français vous ont désigné pour porter ma réponse. C'est Roland qui a tout manigancé, et plus jamais je ne l'aimerai de ma vie. Ni Olivier, car ils sont amis, ni les seigneurs qu'il aime tant. Devant vous, sire, je les défie tous. Vous êtes bien trop en colère, ajouta l'empereur. Puis il tendit son gant droit à Ganelon. Mais le comte tremblait tellement de haine qu'il le laissa choir au sol. Une clameur s'éleva parmi les Français qui virent là un signe de malchance. « Votre grâce, donnez-moi votre congé. Puisque je dois partir, il n'y a aucune raison que je m'attarde davantage. » Puis Charles leva sa main droite, fit sur Ganelon le signe de la croix et lui donna l'absolution. Ensuite, il lui remit le bâton et le parchemin. Après avoir pris congé de l'empereur, le comte Ganelon se retira dans son campement. Il revêtit ses meilleurs équipements, fixa à ses pieds des éperons d'or, ceignit son épée Murglace. Son oncle Guinemé tenait l'étrier de son cheval et l'aida à enfourcher son destrier Tache-Brun. Tous les chevaliers de sa suite assistèrent à son départ, le cœur serré. « Quel malheur ! Vous servez le roi depuis si longtemps que vous en avez acquis le renom d'un noble vassal. Et voilà que vous devez vous rendre auprès de Marsile. Jamais Roland n'aurait dû vous désigner, car vous êtes issu d'une bien trop belle lignée. Sire, emmenez-nous avec vous. » « Adieu ne plaise. Il est préférable que je meure seul et que de bons chevaliers tels que vous restent en vie. Seigneur, rentrez dans notre doux pays. Faites mes adieux à mon épouse, ainsi qu'à mon ami Pinable et mon fils Baudouin. Défendez-le et tenez-le pour votre seigneur. » Puis il se mit en route. Ganelon suivit un long chemin bordé de hauts oliviers et rejoignit les messagers sarrasins qui l'attendaient pour le conduire jusqu'à Marsile, à Saragosse. Blancandrin était parmi eux. Et il vint chevaucher aux côtés du Français, loin derrière le gros de la troupe. Charles est un homme extraordinaire. Il a conquis toute la Calabre et la Saxe, traversé la mer pour conquérir l'Angleterre. Alors que cherche-t-il de plus dans notre pays ? Sa bravoure et sa volonté sont si fortes que rien ne peut l'arrêter. Mais c'est son neveu Roland qui pousse Charles à la guerre. Un jour, non loin de Carcassonne, Roland venait d'amasser un riche butin avec ses chevaliers. Il se présenta alors à Charles, toujours vêtu de sa cotte de maille, et posa à ses pieds une belle pomme rouge en lui annonçant qu'il lui rapporterait les couronnes de tous les rois, de toutes les terres qu'il allait conquérir pour lui. Chaque jour, Roland risque sa vie, car il ne craint pas la mort. Pour Charles, il est prêt à conquérir le monde entier jusqu'au fin fond de l'Orient. Ce Roland est bien rempli de haine de vouloir mettre à sa merci tous les peuples. Mais sur qui compte-t-il pour concrétiser son rêve de gouverner sur toutes les terres ? Sur les chevaliers français. Ils l'aiment tant qu'ils lui seront toujours fidèles. Il leur donne à profusion or et argent, chevaux, draps de soie et armures. Tout en chevauchant, Ganelon et Blancandrin poursuivirent leur discussion et tombèrent d'accord sur un stratagème visant à assassiner Roland. Enfin, ils parvinrent à Saragosse, où ils descendirent de leur monture. Là, à l'ombre d'un pin, se trouvait un grand trône enveloppé de soie. Le roi Marsile y était assis, entouré de 20 000 hommes. Blancandrin s'avança, tenant par le poing le comte Ganelon. « Sire, je vous salue au nom de Mahomet et d'Apollin. Nous avons porté votre message à Charles. Il vous envoie son baron le plus noble pour vous transmettre sa réponse. » « Charles vous ordonne d'adopter la loi chrétienne. En échange, il vous accordera en fief la moitié de l'Espagne. L'autre moitié, en revanche, reviendra à son neveu Roland,
Si vous refusez, vous serez capturé puis envoyé de force, ou vous serez condamné à une mort honteuse. » Frémissant de colère, le roi Marsile se leva de son trône et brandit un javelot à la pointe en or, menaçant Ganelon. Celui-ci porta sa main sur la garde de son épée et la tira de deux doigts hors de son fourreau. « Murglaise, ma belle épée !» chuchota Ganelon. « Je t'aurais porté bien des années à la cour royale. L'empereur ne pourra point dire que je suis mort, seul en terre ennemie sans avoir versé le sang des plus braves. » Les barons de Marsile tentèrent de calmer le roi et le prièrent de retourner s'asseoir. « Sire, en frappant le français, vous nous mettriez dans un mauvais pas, » déclara le calife. « Je vous prie de l'écouter. » Marsile se calma et se rassit. « Je veux bien oublier cet affront, » reprit Ganelon. « Cependant, vous ne m'empêcherez pas de vous communiquer la fin du message de l'empereur Charles. » Ganelon jeta à terre son manteau de zibeline, recouvert de soie d'Alexandrie. Tout en conservant sa main sur la garde de son épée, il s'approcha de Marsile et lui tendit le rouleau de parchemin. Le visage blême, Marsile rompit le sceau. La cire tomba au sol. Puis il déroula la feuille et lut le message. Son visage s'assombrit davantage. Charles me demande de me souvenir de sa douleur et de sa colère lorsque j'ai pris la tête de Bazan et celle de son frère Basile. Si je veux racheter ma vie, je dois lui envoyer mon oncle le calife. Blancandrin s'avança et chuchota quelques mots à l'oreille du roi Marsile, qui s'accorda un moment de réflexion. « Beau sire Ganelon, lui dit le souverain, je vous ai traité un peu durement. J'ai laissé éclater ma colère et j'ai failli vous frapper. Acceptez mes excuses et prenez ces peaux de martre. Elles valent en or plus de 500 livres. Sachez en vérité que je souhaite vivement vous apprécier. Et j'aimerais vous entendre parler de Charlemagne. C'est un vieux roi, il est usé. Il doit bien avoir de sens en passer. Il a traversé tant de terres, reçu tant de coups sur son bouclier, réduit tant de riches rois à la mendicité. Quand sera-t-il las de guerroyer ainsi ? Jamais, répondit Ganelon, tant qu'il aura Roland à ses côtés, ainsi que son compagnon d'armes Olivier, et ses 12 barons qui forment son avant-garde, avec 20 000 chevaliers. Charles est en sûreté, il ne craint personne. J'ai une armée, jamais vous n'en verrez de plus belle. Je peux mobiliser 400 000 chevaliers. Est-ce suffisant pour combattre Charles et les Français ? Ce n'est pas assez. Vous y perdriez bon nombre de vos hommes. Oubliez cette idée si pure folie. Tenez-vous-en plutôt à la sagesse. Offrez à l'empereur tant de richesses que les Français en soient émerveillés. Envoyez-lui 20 otages. Ensuite, Charles repartira en France. Mais lorsque le roi passera les ports de Cise, il laissera derrière lui son arrière-garde. Je ferai en sorte que Roland et Olivier y soient, avec 20 000 soldats français. Vous les attaquerez avec une première armée de 100 000 hommes. Certes, vous subirez quelques pertes parmi vos rangs, mais les Français seront aussi mis à mal. Ensuite, vous leur livrerez une seconde bataille à laquelle ils ne pourront pas soutenir l'assaut. Vous parviendrez ainsi à tuer Roland, et Charles perdra son bras droit. Ensuite, il cessera la guerre contre vous. » Tout souriant, Marsile se leva et embrassa Ganelon. « Vous dites que vous trahirez Roland, mais un accord a peu de valeur si vous ne jurez pas foi devant moi. » Et Ganelon jura sur son épée Murglaise. Quant à Marsile, il fit apporter un livre où était écrite la loi de Mahomet et de Tervagan. Il jura de tuer Roland s'il le trouvait à l'arrière-garde. Ensuite, les meilleurs barons de Marsile, qui se tenaient dans l'ombre, s'avancèrent auprès de Ganelon et, à tour de rôle, embrassèrent chaleureusement le Français et lui offrirent de nombreux présents. Bramimonde, l'épouse de Marsile, s'approcha de Ganelon et déclara « Sire, vous avez toute mon affection, car mon seigneur et ses hommes vous apprécient grandement. Je ferai envoyer à votre épouse deux colliers tout en or, sertis de joyaux, qui auront bien plus de valeur que toutes les richesses de Rome. » « Le trésor de Charles est-il apprêté ? » demanda Marsile à son trésorier. « Oui, sire, 700 chameaux chargés d'or et d'argent, ainsi que 20 otages, des plus nobles qui soient. » Marsile se leva alors de son trône et saisit le Français par l'épaule. « Ganelon, vous êtes un valeureux chevalier, mais au nom de cette loi que vous tenez la plus sainte, ne vous avisez pas de changer d'avis. Tenez, voici les clés de Saragosse, et portez pour moi tous ces grands trésors au roi Charles. Ensuite, faites en sorte que Roland se retrouve à l'arrière-garde. Si je dois l'affronter, je lui livrerai en personne une bataille à mort. » Ganelon salua Marsile et repartit auprès du roi Charles. C'était une belle journée, à la température chaude et au clair soleil. Charles se tenait devant son pavillon, avec à ses côtés Roland et Olivier. Quand soudain de grands cris annoncèrent l'arrivée de Ganelon. Ce dernier était suivi de 700 chameaux.
tous chargés de richesses. Il y avait également avec lui une vingtaine de nobles sarrasins. Ganelon s'avança auprès de Charles et parla. « Votre grâce, voici les clés de Saragosse. Je vous apporte également un grand trésor ainsi que 20 otages. Faites les mettre sous bonne garde. » Néanmoins, le roi Marcil n'a pu vous livrer son oncle le calife et il vous prie de ne point l'en blâmer. Si ce dernier était encore en vie, je vous l'aurais amené. Mais j'ai vu de mes propres yeux celui-ci embarqué avec 400 000 hommes en armes. Tous fuyaient Marcil car ils refusaient d'adopter la chrétienté. Or, à peine avait-il atteint le large qu'une grande tempête s'est levée et le calife fut perdu corps et biens, lui et tous ses navires. Quant à Marcil, votre grâce, je puis vous l'assurer, le roi sarrasin vous rejoindra en France afin de vous prêter allégeance. Dieu soit loué, s'exclama l'empereur. Ganelon, vous m'avez bien servi et vous avez mérité une grande récompense. Seigneur, demain nous rentrons en France. Mais cette nuit-là, plusieurs songes vinrent hanter Charles. Il rêva qu'il se trouvait dans les hauteurs de Cise, tenant entre ses poings sa lance de frêne. Ganelon vint la lui prendre des mains, puis la jeta à terre si rudement que des éclats de bois volèrent tout autour. Après ce rêve, un autre lui vint. Il se trouvait en France, dans sa chapelle à Aix. Un énorme ours l'attaqua et le mordit au bras droit. Puis surgit un léopard qui se jeta sur lui. Dévalant du fond de la salle, un lévrier accourut vers Charles, bondit et trancha l'oreille droite de l'ours. Puis le chien se jeta furieusement sur le félin. Un murmure s'éleva dans la salle et les Français dirent « Quel combat ! Mais lequel des deux vaincra ?» À l'aube, les cors sonnèrent et les troupes se mirent en mouvement. L'empereur prit la route du retour, chevauchant fièrement au milieu de son armée. Mais avant de franchir les hauts Cises, il arrêta ses troupes. « Seigneur baron, dites-moi qui va assurer mon arrière-garde. »« Ce sera mon beau-fils Roland, » répondit immédiatement Ganelon. « Vous ne trouverez pas de meilleur baron. » À ces mots, le roi le regarda, soupçonneux, et rétorqua. « Et qui donc fera devant moi l'avant-garde ?»« Auger de Danemark, » poursuivit Ganelon. Entendant son nom, le comte Roland parla comme tout bon chevalier. « Sire beau-père, je vous remercie grandement de m'avoir nommé pour l'arrière-garde. Avec moi, notre bon roi Charles ne perdra aucun destrier sans l'avoir disputé à l'épée. »« Vous dites vrai, je le sais bien, » répondit Ganelon souriant. « Prenez avec vous la moitié de l'armée, » intervint l'empereur inquiet pour son neveu. « Je n'en ai nul besoin. 20 000 valeureux Français me suffiront amplement, » répondit Roland. « Sire, poursuivez votre route, vous pouvez franchir les hauts en toute quiétude. Moi, vivant à vos côtés, vous n'avez personne à craindre. » Olivier, son compagnon, rejoignit Roland, ainsi que le comte Gérier, Othon, Bérangier et Astor, Anseïs le Vieux, Gérard de Roussillon le Fier, et le riche duc Guéffier. « Par mon chef, j'irai !» déclara l'archevêque Turpin. Ensuite, ils choisissent entre eux 20 000 chevaliers. Roland se réjouit de voir autour de lui les hommes les plus courageux de Charles. Il appela également Gauthier de Lain, afin de tenir les hauteurs. Là-dessus, les Français se séparèrent. Roland resta en Espagne avec à ses côtés les 12 pairs, ainsi que 20 000 Français. Aucun ne craignait la mort. Puis l'armée de Charles reprit sa route. Lorsqu'ils passèrent les défilés, le duc Nem vit une expression d'angoisse se dessiner sur le visage du roi. « Votre grâce, qu'est-ce donc qui vous tourmente ?»« J'ai un mauvais pressentiment, » répondit l'empereur. « Cette nuit, j'ai eu une horrible vision. » Je vis Ganelon briser ma lance. Or, voici qu'il a désigné mon neveu pour assurer l'arrière-garde. Mon Dieu, si je perds Roland, jamais je ne m'en remettrai. Pendant ce temps, Marcil convoqua le banc et chevaucha à la tête d'une armée de 400 000 hommes. Lorsqu'ils aperçurent les confanons français, ils firent halte dans une forêt au sommet d'une colline. Marcil se tenait fièrement parmi ses chevaliers assemblés autour de lui. C'est alors que son neveu s'approcha et déclara, souriant, « Je vous ai longuement servi. J'ai vécu bien des peines et des tourments, livré et remporté tant de batailles pour vous. Sire, accordez-moi une faveur. Laissez-moi porter à Roland le premier coup. Je le tuerai de mon épier tranchant. Si Mahomet le veut, j'affranchirai toutes les contrées d'Espagne, depuis les ports jusqu'à Durestan. Vaincus, les Français seront contraints de se rendre. Et ainsi, plus jamais nous devrons nous battre contre eux. »
Le roi Marsile hocha la tête en signe d'acquiescement. Puis 1000 clairons sonnèrent, annonçant la bataille à venir. Le bruit roula jusqu'à l'arrière-garde française. « Roland, je crains que nous devions livrer bientôt bataille, » annonça Olivier. « Ah, que Dieu nous l'accorde !» répondit Roland. « Notre devoir est de tenir pour notre roi, car pour son seigneur on doit souffrir toutes les peines, endurer les plus grandes chaleurs et les plus grands froids, et perdre du cuir et du poil. » Olivier gravit une hauteur et vit au loin en direction de l'Espagne les Sarrasins, rassemblés en si grand nombre qu'il ne put les dénombrer. Il vit briller leurs hommes aux gemmes serties d'or, et les écus et les haubères saffrés, les épieux et les gonfanons fixés aux fers. Sans plus attendre, il dévala la colline le plus vite qu'il put, tout en criant. « Les Sarrasins ! Je les vois venir du côté de l'Espagne !» Ganelon le savait lorsqu'il nous a désignés auprès de l'empereur pour tenir l'arrière-garde. « Il nous a trahis ! Roland, mon ami, je te prie de sonner l'olifant. Quand Charles l'entendra, il ramènera avec lui l'armée pour venir à notre secours. »« Je n'en ferai rien. Nul homme vivant ne pourra dire que j'ai sonné mon corps pour des païens. Je les affronterai tous. Je les frapperai de Durandal avec force. » Les Français sont braves et lutteront courageusement. Ces félons n'échapperont pas à la mort. Mais en quoi serait-ce un déshonneur ? Demanda Olivier. Les Sarrasins d'Espagne sont si nombreux que les vallées et les collines en sont recouvertes. Leurs armées sont bien trop grandes et notre troupe bien trop petite. C'est une bonne chose. Mon ardeur s'en accroît, répondit Roland. Que Dieu et ses anges ne permettent pas que la France perde sa renommée à cause de moi. Je préfère mourir que choir dans la honte. Plus nous combattons, plus notre empereur nous aime. Soudain, sur un tertre dénudé, apparut l'archevêque Turpin. « Seigneur baron, Charles nous a laissés ici, et notre devoir est de nous battre pour lui. L'ennemi est en approche. Battez votre coulpe, demandez grâce à Dieu. Je vous absoudrai pour guérir vos âmes. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez de saints martyrs, et vous obtiendrez des sièges au paradis. » Les Français se prosternèrent devant l'archevêque qui les bénit. Puis ils montèrent sur leur puissant destrier, en armes et armure, comme il convient à des chevaliers parés pour le combat. À l'approche de la bataille, Roland se fit plus fier que lion ou léopard. Il chevauchait sur Veillantif, un cheval rapide, brandissant sa lance dont la pointe était tournée vers le ciel. Au fer était lacé un gonfanon tout blanc dont les franges battaient jusqu'à ses mains. Il observait les Sarrasins durement, et puis tourna un regard plus humble et doux sur les Français. « Seigneur baron, allez au petit pas. Ces païens viennent en quête de leur martyr. Avant ce soir, nous aurons gagné un beau butin. Aucun roi de France n'aura amassé un trésor aussi somptueux que celui de Charles. »« Chevauchez contre eux avec courage !» ajouta Olivier. « Seigneur baron, ne leur abandonnez rien. Je vous en prie pour Dieu. Soyez résolus à bien frapper. Rendez coup sur coup. Et n'oublions pas la devise de Charles. Montjoie !» crièrent les Français comme un seul homme, tout en levant leurs armes. C'est alors que commença le combat. Les Français reçurent l'assaut des troupes ennemies sans trembler. Aelroth, le neveu de Marsile, chevauchait en tête, traitant les Français de lâches. Entendant ces abominables injures, Roland éprona son cheval. Galopant à vive allure, il bondit sur le Sarrasin qu'il frappa de toutes ses forces. Il brisa son bouclier, arracha les mailles de son haubert et lui ouvrit la poitrine en deux. Broya ses os et lui fendit les chines. À la vue de son neveu mort, Falsaron, le frère de Marsile, poussa un cri de douleur et galopa à bride abattue sur son cheval pour charger les Français. Mais Olivier vint au-devant de lui et le frappa en vrai baron. Il enfonça de toutes ses forces sa lance à travers le corps, lui transperçant son bouclier et son casque. Les épaules de Falsaron se courbèrent et son corps bascula de sa monture. À quelques mètres de là, Corsablin de Barbarie se dressa sur ses étriers et cria à ses hommes. « Nous pouvons remporter cette bataille contre les Français. Leur nombre est si réduit que Charles ne pourra les sauver. Le jour de leur mort est arrivé !» Entendant les mots du païen, l'archevêque Turpin fut empli d'un féroce courroux. Il piqua de ses éperons d'or fin et s'élança contre le Sarrasin. Il pointa son long épieu devant lui et le passa à travers le corps de son ennemi qui tomba raide mort au sol. « Foi mentor, Charles monseigneur peut toujours nous sauver et nos Français ne sont pas prêts de fuir. Quant à vos compagnons, je vais vous apprendre une bien triste nouvelle. C'est ici que vous allez tous mourir. Frappez, Français !» La bataille fut terrible. Les Français luttèrent vaillamment et taillèrent en pièces leurs ennemis. Parmi les 12 seigneurs païens, il n'en restèrent plus que 2 vivants, Chernub et le comte Margarise. Ce dernier était un chevalier valeureux, beau, fort et habile. Lorsqu'il aperçut Olivier, son sang ne fit qu'un tour. Il éprona son cheval et bondit sur lui. Arrivé à sa hauteur,
Il plonge à sa lance à travers le français, perçant son bouclier et léchant ses côtes. Mais Olivier ne fut pas blessé, et comme la hampe se brisa, il put rester en selle. Dans son élan, Margaris poursuivit sa chevauchée et sonna sa trompe pour rallier les siens. Le soleil atteignit son apogée et dorait les armes et armées. Dans la mêlée, Roland ne se ménageait point et frappait de sa lance tant et si bien qu'après 15 coups, elle éclata. Il tira alors de son fourreau sa bonne épée Durandal et l'abattit sur Chernul avec tant de violence qu'il lui coupa le corps en deux, déchirant jusqu'à la selle incrustée d'or et atteignant même son cheval. L'homme et son destrier tombèrent inertes sur l'herbe. « Fils de chien, tu as été bien mal inspiré de nous attaquer !» cracha Roland. « Mahomet ne viendra pas à votre secours. Un truand tel que toi ne gagnera point la bataille. » Puis Roland replongea dans le combat, recouvert de sang de son haubert jusqu'au bras. Même son cheval était vermeil du sang des ennemis. Les Français frappèrent de puissants coups et rien ne semblait pouvoir les atteindre. Les païens tombèrent par centaines. Soudain, Olivier brisa lui aussi sa lance, ne tenant à la main plus qu'un tronçon avec lequel il continua de frapper ses ennemis. Roland l'aperçut et lui cria « Compagnon, que fais-tu ? Un bâton ne te sera d'aucune utilité sur le champ de bataille. Il n'y a que le fer et l'acier qui prévalent. Tire donc ton épée haute claire !» Alors Olivier dégaina sa bonne lame à la garde d'or et au pommeau de cristal. Et il lui montra, en vrai chevalier, comment s'en servir. Il alla frapper violemment Justin de Valféré, tranchant son corps en deux, l'atterrant, raide mort sur l'herbe. « Ah, je te reconnais bien là ! C'est pour de tels coups que l'empereur nous aime !» déclara Roland. Le comte Gérin montait son cheval Sorel, et son compagnon Gérier était sur son destrier Passerre. Tous deux chargèrent à fond et vinrent frapper Timozel, l'un sur l'écu, l'autre sur le haubert. Les deux épieux se brisèrent dans le corps qui tomba à la renverse. La bataille se fit plus acharnée. Français et païens échangèrent des coups merveilleux. L'un attaquait, l'autre se défendait. Que de lances brisées et sanglantes, que de gonds fanons arrachés, et que de bons Français perdirent ce jour leur jeune vie. De beaux jeunes hommes qui ne reverront ni leur famille, ni Charlemagne qui les attendait de l'autre côté des montagnes. Soudain, une clameur s'éleva le long de la vallée. La seconde armée de Marsile déferla sur les Français avec un grondement de tonnerre. Au loin, on vit briller les haumes aux pierreries serties d'or, les écus et les bronnes s'affraient. 7000 clairons sonnèrent farouchement. Ganelon, le traître, a juré notre mort. Cette trahison n'est plus approuvée. Mais l'empereur en tirera vengeance. Nous allons devoir livrer une bataille âpre et dure. Je frapperai de Durandal et toi, compagnon, tu frapperas de Haute-Claire. Nous avons porté nos épées sur tant de terres, gagné par elles tant de batailles. Il faut qu'on se souvienne d'elles glorieuses. Lorsque les Français virent que des milliers de païens se déversaient sur les champs de toutes parts, ils comprirent que leur fin était toute proche. Ils appelèrent Olivier et Roland, ainsi que les 12 seigneurs pour les défendre. Mais l'archevêque les encouragea. « Seigneur baron, n'ayez crainte ! Je vous en prie, par Dieu, ne fuyez pas ! Il vaut bien mieux que nous mourions au combat. Oui, nous ne vivrons pas au-delà de ce jour. Mais il est une chose que je peux vous assurer, c'est que le Saint Paradis vous sera grand ouvert. Vous y serez assis près des innocents. » À ces paroles, les Français retrouvèrent leur ardeur et tous scandèrent leurs cris d'armes. « Montjoie !» Climborin, qui tenait la moitié de Saragosse, montait un magnifique cheval qu'il appelait Barbamouche. Son étalon s'élança, plus rapide qu'un épervier ou une hirondelle, et fonça droit sur les Français. Le Sarrasin plongea la pointe de son épieu à travers le corps de Angevier de Gascogne, qui tomba au sol, reine mort. Climborin s'écria alors « Cette engeance est bonne à détruire ! Tuez-les tous !» Fou de rage, Olivier brocha son cheval de ses éperons d'or pur. Il dressa Haute-Claire au-dessus de sa tête, le sang dégoulinant de la lame. Et il heurta de toutes ses forces Climborin, qui chuta de Barbamouche, agonisant à terre. Ensuite, Olivier frappa de droite et de gauche, tuant le duc Alphaïen, tranchant la tête d'Escababi et désarçonnant sept Sarrasins. « Mon compagnon est en colère !» souria Roland, et il s'écria. « Frappez, chevalier !» Les Français étaient certes moins nombreux, mais ils fendirent héroïquement les rangs ennemis. Toutefois, ils perdirent également de grands hommes courageux parmi leurs rangs. En tête s'avançait un Sarrasin du nom de Valdabron. C'est lui qui avait adoubé Marsile. Il possédait sur la mer 400 dromons. C'est ce même Valdabron qui jadis s'empara de Jérusalem et viola le temple de Salomon, égorgeant le patriarche. Il montait un cheval nommé Graminon, plus rapide qu'un faucon. Tout près de lui, il vit le riche duc Samson. Il le chargea et à pleine hampe le désarçonna et le tua. Puis il cria à ses hommes. « Frappez, chevalier, nous les vaincrons !»
Lorsqu'il vit sans son mort, le contrôlant fut empli d'une fureur sanglante. Il piqua son cheval et chargea à fond sur Valdabron et lui trancha la tête. « Quel coup terrible pour nous !» s'écrièrent les païens. La bataille était prodigieuse et rapide. Les Français frappèrent avec vigueur et rage, tranchant les poings, les flancs, les échines, transperçant les vêtements jusqu'aux chairs vives. Et le sang coulait en filets clairs sur l'herbe verte. Ils résistèrent courageusement les 4 premiers assauts, mais le 5e pesa lourdement sur les troupes. Tous périrent, hormis 60 que Dieu épargna. À la vue des siens tombant sous les coups des païens, Roland dit à Olivier « Compagnon, vois-tu tous ces vaillants chevaliers gisant là face contre terre ? C'est bien triste que la France soit vidée de tels barons. Ah, pourquoi notre roi n'est-il pas ici ? Je vais sonner l'olifant. Charles entendra et reviendra avec l'armée. » « Si tant de Français sont morts, c'est par ta faute, » répondit Olivier. « Quand je te disais de le faire, Roland, tu n'as pas daigné sonner l'olifant. Si le roi avait été avec nous, nous n'aurions pas subi de telles pertes. Nous aurions gagné cette bataille. Désormais, nous sommes condamnés. Avant ce soir, nous allons mourir et nous ne pourrons plus servir la France, ni Charlemagne. Et notre amitié sera finie. Nous serons à tout jamais séparés. » L'archevêque les vit se quereller. Il galopa jusqu'à eux et le reprit tous deux. « Roland, Olivier, je vous en prie, cessez de vous disputer. Donner l'alerte ne nous sauvera point, mais néanmoins, il vaut mieux sonner votre olifant. Le roi accourra et nous vengera, car il ne faut pas que les païens s'en sortent victorieux. » Là-dessus, Roland porta l'olifant à ses lèvres et lança une telle sonnerie que sa tempe se rompit. Son écho se répercuta le long des montagnes. À 30 lieues de là, Charles entendit son appel et s'écria. « C'est le corps de Roland! Nos hommes sont en difficulté !» « Sire, vous connaissez bien Roland et sa bravoure. Qui donc oserait l'attaquer ?» répondit Ganelon. « La terre des aïeux est encore loin devant nous. Poursuivons donc notre route. »« Roland est en danger !» répondit le duc Nem. « Et il est en train de combattre les Sarrasins, j'en suis certain. Nous avons été trahis, et c'est par l'homme qui se tient à vos côtés. Sire, prenez les armes et secourez vos gens !» L'empereur fit alors sonner ses cors. Saisissant leurs armes, les Français firent volte-face, prenèrent leurs montures et chevauchèrent avec toute la célérité possible le long du chemin des défilés. La terreur s'empara d'eux. Tous craignaient d'arriver trop tard et de perdre Roland. Furieux, Charles fit saisir le comte Ganelon et le remit au cuisinier de sa maison. Besgon, leur chef, avec l'aide de ses compagnons, se chargèrent de punir le traître. Ils lui arrachèrent les poils de la barbe, le frappèrent à tour de rôle. Puis ils lui passèrent les fers et le hissèrent honteusement sur une bête de somme. Le jour déclinait. Le soleil jetait ses derniers rayons sur les armures des combattants, faisant flamboyer les lances et les houes. Roland parcourut la lande des yeux et vit tant de Français au sol qu'il sentit son cœur se serrer. Une fureur froide l'envahit. Il brandit son épée Durandal et tailla en pièces Faldrin, puis à lui tout seul tua 24 autres Sarrasins parmi les plus braves. Au reste de ses ennemis, ils détalèrent devant Roland, comme le cerf devant les chiens. « Frappez, ne les épargnez pas !» cria-t-il aux Français. Soudain, Roland vit non loin de lui le roi Marsil montant son cheval Guémon. Il le vit abattre Beuvon, sire de Dijon et de Beaune, Yvon et Ivoire, ainsi que Gérard de Roussillon. « Maudit ! Puisque tu m'as tué si cruellement, mes compagnons, tu vas le payer cher et connaître le nom de mon épée !» Puis Roland leva Durandal et chargea Marsil, dont il trancha le poing, puis décapita son fils Urfaleux le Bon. Épouvanté, Marsil prit la fuite avec ses hommes. Seul son oncle calife, Marganis, resta. « Français, c'est ici que nous deviendrons des martyrs !» lança Roland. « Car je sais bien qu'il ne nous reste guère longtemps à vivre. Mais honte à celui qui n'aura pas lutté vaillamment. Frappez, seigneur, frappez de vos épées, battez-vous jusqu'à la mort. Et quand Charles viendra dans ce champ, il verra quelle justice nous aurons faite. Pour un des nôtres tué, il trouvera 15 ennemis morts. Et l'empereur nous bénira !» À ces mots, les Français crièrent leur cri d'armes et foncèrent dans la mêlée. Apercevant Olivier, Marganis éprona son cheval roux et chargea par l'arrière, puis lui asséna un violent coup dans le dos. L'épée traversa la poitrine et ressortit par devant. « Et voici un rude coup pour vous !» déclara le calife triomphant tout en retirant son arme. Olivier fit volte-face, leva son épée haute claire à l'acier bruni et l'abattit sur le haume doré de Marganis, lui fendant la tête jusqu'aux dents. « Maudit !» déclara Olivier tout en secouant sa lame dans la plaie. « Tu n'iras pas t'en vanter auprès de ta dame !» Mais Olivier sentit qu'il n'était pas en mesure de se remettre d'un tel coup. Il appela à l'aide son ami Roland tout en continuant de frapper au plus fort de la mêlée, taillant en pièces, lances, boucliers, pieds et poings.
Entendant son ami hurler son nom, Roland accourut vers lui et resta bouche bée lorsqu'il découvrit le visage blême d'Olivier qui se vidait de son sang. De gros cailloux tombaient sur l'herbe verte. « Mon Dieu !» s'écria Roland. Puis il s'approcha de son compagnon. Mais ce dernier avait perdu tant de sang qu'il ne voyait plus clair. Il ne put donc reconnaître Roland et lui abattit son épée sur le casque, le fendant jusqu'au nez. Mais épuisé, il n'atteignit pas la tête. « Sire compagnon, ce coup était-il voulu ?» lui demanda doucement Roland. « C'est moi, Roland, celui qui t'aime tant. » « À présent, j'entends ta voix !» gémit Olivier. « Je ne peux pas te voir. Je t'ai frappé, pardonne-moi !»« Je n'ai eu aucun mal. Je te pardonne. » Sentant la mort poindre, Olivier descendit de son cheval et s'allongea à terre. Il joignit les mains et pria Dieu de l'accueillir au paradis, de bénir le roi Charles, la France et surtout Roland, son compagnon. Puis son cœur s'arrêta, son casque retomba sur son visage et tout son corps s'affaissa au sol. Olivier était mort. Voyant son ami étendu inerte, Roland lui fit ses adieux. « Sire compagnon, quel malheur ! Nous avons été ensemble durant bien des années, bien des jours. Nous avons toujours été bons l'un envers l'autre. Mais aujourd'hui te voilà mort. Et vivre sans toi m'est insupportable. » Le chagrin l'étreignait tant que Roland s'évanouit sur son cheval, retenu en selle uniquement par ses étriers d'or. Quelques instants après, Roland reprit connaissance et découvrit tout autour de lui un immense carnage. Tous les Français gisaient morts. Il ne restait plus que l'archevêque et Gauthier de Lain. Ce dernier était descendu des montagnes et avait chargé férocement ceux d'Espagne. Mais ces hommes avaient tous péri. Les païens les avaient vaincus. Au milieu de la bataille, Gauthier appelait Roland. « À l'aide ! Gentil comte ! Où es-tu ? C'est moi, Gauthier, celui qui conquit Maelgut. Moi, le neveu de Dron, ma lance est brisée, mon écu percé. Je vais mourir, mais je me suis chèrement battu. » À ces derniers mots, Roland poussa sa monture vers lui. Puis les trois survivants des 20 000 chevaliers français se jetèrent de nouveau dans la horde ennemie. Mais les Sarrasins restèrent à distance et lancèrent sur eux leurs épieux. Gauthier tomba dès le premier coup. Quant à l'archevêque, il fut transpercé de 4 lances. À la vue de ses blessures, il cria à Roland. « Je suis blessé, mais je ne suis pas vaincu. Un brave tant qu'il vit ne se rend pas !» Puis l'archevêque dégaina Almas, son épée d'acier brun, et reprit le combat. Quant à Roland, son corps était devenu brûlant et trempé de sueur. Sa tête lui faisait horriblement souffrir, mais il voulait savoir si Charles venait à leur secours. Il souffla alors dans son olifant, mais en sortit un son très faible. Au milieu des montagnes, l'empereur entendit malgré tout l'appel de Roland et s'arrêta. « Seigneur, quel malheur ! Son appel est si faible que je doute qu'il survive à cette bataille. Pressez donc votre cheval si vous souhaitez arriver à temps, et sonnez tous vos clairons !» Alors 60 000 trompettes retentirent si puissamment que le bruit se répercuta entre les montagnes et les vallées. À ce son, les païens frémirent d'épouvante. Ils comprirent qu'ils devaient en finir au plus vite avec Roland, avant l'arrivée de Charles. 400 chevaliers d'Espagne se rassemblèrent devant Roland et lui livrèrent un ultime assaut. Le comte se fit alors plus fort, plus fier et plus ardent. Tant qu'il était en vie, il ne leur céderait rien. Il remonta sur son cheval veillantif et chargea à nouveau l'ennemi, avec à ses côtés l'archevêque Turpin. Craignant Roland, les derniers combattants gardaient toujours leur distance et continuaient de lui lancer de loin les javelots, lances et flèches empennées. Ils parvinrent à percer son bouclier, mais sans pouvoir atteindre son corps. Alors ils s'en prirent à son cheval veillantif et lui assénirent une 30aine de blessures. L'animal tomba sous leur horrible coup. Puis, lâchement, les païens prirent la fuite en direction de l'Espagne. Comme son destrier venait de rendre son dernier souffle, Roland ne put leur donner la chasse. Il rejoignit alors l'archevêque Turpin. L'homme était couvert de blessures. Roland lui retira son aume paré d'or, ainsi que son haubert blanc. Il arracha son bliot et le découpa en bandes afin de panser les plaies de l'archevêque. Puis il le prit dans ses bras, le serra contre sa poitrine et l'allongea à nouveau sur l'herbe verte. Très doucement, il lui demanda. « Ah, gentilhomme, m'autorisez-vous à vous laisser seul un instant, afin que je puisse chercher mes compagnons et les réunir devant vous ?»« Allez !» répondit l'archevêque. « Dieu merci, nous sommes restés, vous et moi, maîtres du champ de bataille. » Roland s'éloigna et parcourut seul la plaine. Il inspecta de tous côtés et trouva Ivoire et Yvon.
puis le Gascon, Angelier, ainsi que Gérin et son compagnon Gérier. Et puis il vit Bérangier et Hatton, Anseïs et Samson, et Gérard le Vieux de Roussillon. Un à un, il les souleva et les porta aux pieds de l'archevêque qui ne pouvait plus contenir ses larmes. Puis Roland repartit de nouveau à travers le champ de bataille pour ramener le corps d'Olivier. Lorsqu'il vit son compagnon étendu sur l'herbe vermeille, il l'étreignit fort contre lui. Tendrement, il le prit dans ses bras et retourna du mieux qu'il put auprès de l'archevêque. Il allongea Olivier aux côtés des autres chevaliers et Turpin bénit chacun d'entre eux. La douleur de voir ainsi tous ses amis fut si intense que Roland tomba à genoux et fondit en larmes. Attristé de voir le comte plongé dans un tel chagrin, l'archevêque prit l'olifant et se rendit auprès d'une rivière pour lui apporter de l'eau fraîche. Il s'éloigna en titubant, mais l'homme de Dieu était si faible qu'il ne put avancer plus loin. À bout de force, vidé de son sang, il mourut et tomba face contre terre. Ne voyant plus l'archevêque à ses côtés, Roland se releva dans un grand effort et vit non loin son corps, les entrailles gisant sur l'herbe. Le cœur au bord des lèvres, Roland ramassa au sol l'olifant, prit son épée dans une main et monta sur un tertre. Là, sous un bel arbre, il s'arrêta et tomba à la renverse. Soudain, un homme qui était resté immobile parmi les morts se redressa, se faufila entre les cadavres et s'approcha de Roland. « Voilà le neveu de Charles vaincu !» se dit-il. « Je vais récupérer son épée et la porter en Arabie. » Puis le Sarrasin se pencha pour s'emparer de Durandal. Mais lorsque Roland sentit qu'on lui prenait son épée, il ouvrit les yeux et abattit fermement son olifant sur la tête du Sarrasin, pulvérisant son casque doré. « Espèce de lâche, comment oses-tu essayer de me voler ?» Le visage blême, Roland sentit sa vue se troubler. Mais il se releva. Tout près de lui, il vit une pierre brune. Il frappa une dizaine de coups son épée sur la roche. L'acier rendit un son mat, mais l'arme ne se brisa pas. Quand Roland comprit qu'il ne parviendrait pas à la détruire, il se dit « Oh Durandal, ma belle et sainte épée, ton pommeau d'or est rempli de reliques. Il ne serait pas juste que tu tombes aux mains des païens. Avec toi, j'ai conquis tant de terres pour Charles. L'empereur à la barbe fleurie est à présent riche et puissant. » Sentant la mort toute proche, Roland retourna s'allonger sous le pin et tourna son visage vers l'Espagne. De l'une de ses mains, il se frappa la poitrine. « Dieu, par ta grâce, mea culpa pour mes péchés, les grands comme les petits, que j'ai faits depuis l'heure où je suis né jusqu'à ce jour où me voici abattu. » Soudain, devant lui, une lumière aveuglante apparut. Il tendit la main, puis Roland sourit. Au déclin de l'après-midi, l'empereur parvint enfin à Roncevaux, mais il était trop tard. Devant lui s'étendait un immense charnier. Les plaines étaient couvertes d'hommes. Charles inspecta de tous côtés le champ de bataille, en quête de ses barons. « Où êtes-vous, beau neveu ? Où est l'archevêque ? Où est le comte Olivier ? Où sont Gérin et Gérier, son compagnon ? Où sont-ils tous ?» Mais hélas, ses appels restèrent sans réponse. Dieu, pourquoi n'ai-je pas été là pour mener cette bataille ? Se lamenta-t-il. Mais le duc Nem, en homme sage, s'adressa à l'empereur. Votre grâce, regardez, à deux lieues de nous, voyez-vous la poussière s'élever ? Ce sont les Sarrasins qui prennent la fuite. Chevauchez, sire, et vengez les nôtres. Ils sont déjà si loin. Puis Charles appela Othon et Géboin, Thébalt de Reims et le comte Milon. « Surveillez le champ de bataille jusqu'à notre retour. Laissez nos morts où ils sont et veillez à ce qu'aucune bête n'y touche. » Puis les clairons sonnèrent farouchement. L'empereur et sa grande armée s'élancèrent prenant en chasse les armées de Marsile. Au Val Ténébreux, les troupes de Charlemagne parvinrent à rattraper les Sarrasins. L'Èbre se trouvait devant eux. L'eau en était profonde, redoutable, violente. Il n'y avait là ni barge, ni dromon. Les païens supplièrent un de leurs dieux, Tervagan, de leur venir en aide et se précipitèrent à l'eau, mais nul ne les protégea. Ceux qui portèrent encore leurs armures coulèrent lourdement. Les autres furent emportés par le courant. Enfin, tous les Sarrasins étaient morts, les uns tués par le fer, les autres noyés dans l'écume du fleuve. Charles descendit de son cheval et se coucha contre terre pour rendre grâce à Dieu. Rapidement, la nuit tomba. L'empereur se redressa alors et annonça. «
Il est trop tard pour retourner à Roncevaux. Nous allons établir notre camp ici ce soir. Nos chevaux sont là et recrues. » Puis les Français mirent pied à terre et décellèrent leurs chevaux et les laissèrent paître dans les prés. La nuit était claire et la lune brillante. Dans le camp, les hommes s'endormirent rapidement. Mais Charles ne voulut pas se désarmer et garda près de lui son épée joyeuse. Il était exténué. Son cœur fut empli de deuil pour Roland, Olivier, les 12 seigneurs ainsi que tous les Français tombés durant la bataille. Et se lamentant sans cesse, il finit par s'endormir. Dans son rêve, Charles rencontra l'ange Gabriel, qui venait lui annoncer qu'une grande bataille approchait. Charles leva la tête et vit le ciel s'assombrir. Une tempête prodigieuse se forma. La foudre et les éclairs s'abattirent sur l'armée de l'empereur. Les lances de frêne et de pommiers s'embrasèrent ainsi que les boucliers. Les hampes des épieux tranchants éclatèrent. Les haubères et les haumes d'acier se tordirent. Charles vit ses chevaliers en grande détresse. Puis des ours et des léopards les attaquèrent pour les dévorer, mais aussi des serpents et des guilles, des dragons et des démons. Les Français appelèrent à l'aide leur roi. Ému de douleur et de pitié, Charles s'élança vers eux, mais tout à coup, surgit de la forêt devant lui un énorme lion qui se jeta sur le roi. Homme et animal luttèrent au corps à corps. Puis le rêve se dissipa, et un autre lui vint. Charles rêva qu'il était à Aix, en France. Il se tenait fièrement sur un perron, avec en laisse un ours enchaîné. Une trentaine d'ours s'approchèrent de lui et parlèrent d'une voix d'homme. « Sire, rendez-le nous. Il n'est pas juste que vous le reteniez plus longtemps. Il est notre parent, nous lui devons notre secours. » Il vit alors surgir de son palais un lévrier qui bondit sur le plus grand ours et l'attaqua. Le roi observa en silence le merveilleux combat se dérouler devant lui, mais il ne sut lequel des deux remporta la victoire. Pendant ce temps, Marsile, après avoir fui les combats, avait atteint Saragosse. Dès qu'il descendit de son cheval, il tendit son épée et son aume à ses hommes et s'écroula au sol. Le sang coulait abondamment de sa blessure, où se tenait autrefois sa main. Sa femme, Pramimonde, accourut près de lui en larmes sous le regard atterré de 20 000 hommes. On le porta alors sur son lit. La reine pleurait sur lui, s'arrachant les cheveux. « Ah, malheureuse !» gémit-elle. Puis à haute voix, elle s'écria. « Ah, Saragosse, te voilà donc privée du gentil roi qui t'avait en son pouvoir. Nos dieux nous ont trahis et abandonnés durant la bataille. Il nous reste l'émir. Il sera lâche s'il n'engage pas le combat contre ces intrépides Français. » Au même moment, sur le littoral espagnol, de nombreuses lueurs apparurent au large, provenant des lanternes de milliers de dromons et navires qui venaient d'Alexandrie. C'était la flotte de Baligan qui venait au secours de Marsile. Les bateaux n'accostèrent pas sur les côtes, mais naviguèrent dans les eaux douces, remontant ainsi l'Èbre. Et dans la lumière du matin, Baligan arriva enfin à Saragosse. Il descendit de son vaisseau, accompagné de 17 rois et de nombreux comtes et ducs. À l'ombre d'un laurier, on jeta sur l'herbe verte un tapis de soie blanche, sur lequel on dressa un trône en ivoire. Baligan vint s'y asseoir et déclara « Écoutez, courageux chevalier, le roi Charles n'aura la permission de manger que si je lui en donne le droit. Voilà 7 ans qu'il livre bataille dans toute l'Espagne. À présent, c'est en France que je souhaite l'affronter. Je ne cesserai de le combattre jusqu'à ce qu'il soit tué ou s'avoue vaincu. » Et Baligan claqua son gant droit sur son genou. Ensuite, il fit venir 2 de ses chevaliers, Clarifan et Clarien. « Vous êtes les fils du roi Maltraien, qui avait coutume de porter mes messages. Je vous ordonne de vous rendre auprès de Marsile. Annoncez-lui que je suis là pour lui porter secours. Et donnez-lui ce bâtonnet d'or pur. Ordonnez-lui qu'il vienne à moi pour reconnaître son fief. Ensuite, j'irai en France pour combattre Charles. S'il n'implore pas ma merci, couché à mes pieds, et s'il ne renie point sa loi chrétienne, je lui ôterai la couronne de sa tête. » Immédiatement, les 2 hommes chevauchèrent jusqu'à Saragosse. Ils passèrent les 10 portes, traversèrent les ponts, longèrent les rues où de nombreux bourgeois les observaient. Comme ils approchaient, ils entendirent une grande rumeur provenant du palais. Là, s'étaient amassés des centaines d'hommes pleurant et criant. « Malheureux, qu'allons-nous devenir ? Nous avons perdu le roi Marsile. Le contrôlant lui a tranché le poing droit et assassiné Jurfaleux le Blond. Toute l'Espagne sera désormais en leur merci. » Arrivés devant les marches du palais, les 2 messagers descendirent de leurs chevaux. Sans plus attendre, ils montèrent au sommet de la plus haute tour où se trouvait la chambre de Marsile. Quand ils pénétrèrent dans la chambre voûtée, ils virent le roi en piteux état. Ils le saluèrent. « Que les dieux sauvent le roi et gardent la reine. » Alors Bramimonde déclara. « Nos dieux nous ont lâchement abandonnés. À Roncevaux, ils ont laissé massacrer nos chevaliers. Mon seigneur que voici a perdu le poing droit.
C'est Roland qui lui a tranché. Charles va s'emparer de toute l'Espagne. Et moi, que deviendrai-je? Hélas, n'y aura-t-il personne pour me tuer? Dame, ne parlez pas ainsi, déclara Clarien. Nous venons de la part de Baligan. Notre roi saura défendre Marsile, il vous l'assure. Sur l'Èbre, il y a 4000 vaisseaux qui attendent. L'émir est fort et puissant. Il va partir en France pour affronter Charlemagne. Il se fait fort de le tuer ou de le réduire à merci. Nul besoin d'aller si loin, continua Bramimonde. Tout près d'ici, vous trouverez les Français. Voilà 7 ans que l'empereur est en ce pays. Il est courageux et puissant. Et il préférait mourir plutôt que de fuir la bataille. Charles ne redoute personne. Laissez, seigneur, c'est à moi qu'il faut parler, intervint Marsile. Vous le voyez, la mort m'étreint et je n'ai ni fils, ni fille, ni héritier. J'en avais un, mais il a été tué hier. Dites à Baligan qu'il vienne me voir. L'émir a droit sur la terre d'Espagne. Je la lui rends s'il la veut. Mais qu'il la défende contre les Français. Charles a tué mes hommes et ravagé ma terre, violé et mis en pièces mes cités. Cette nuit, il a établi son campement à 7 lieues d'ici, sur les rives de l'Èbre. Dites à l'émir qu'il y conduise son armée. Dites-lui de ma part qu'il lui livre bataille. Puis Marsile remit dans les mains des messagers les clés de Saragosse. Les deux hommes s'inclinèrent et prirent congé. Affolés, ils dévalèrent rapidement les marches du palais et retournèrent auprès de Baligan. Ce dernier leur demanda « Qu'avez-vous appris? Où est Marsile ?»« Il est blessé à mort, » répondit Clarien. « Hier, l'empereur a franchi le passage des ports pour retourner en France. Il avait formé une arrière-garde où sont restés son neveu Roland et Olivier, ainsi que les 12 barons avec 20 000 chevaliers. Le roi Marsile, en homme courageux, leur a livré bataille. » Roland et lui ont bravement lutté ensemble, mais d'un coup d'épée, le Français lui a tranché la main droite. Et il a tué son fils, qu'il aimait tant, ainsi que tous les barons qu'il avait amenés. Comme il ne pouvait plus lutter, Marsile a fui le champ de bataille. Mais l'empereur qui avait fait demi-tour l'a pris en chasse. Marsile vous demande que vous l'aidiez. En échange, il vous rend tout le royaume d'Espagne. Baligan devint pensif. La nouvelle l'emplit d'une immense tristesse. Clarien poursuivit. Les Français ont campé sur la rive cette nuit. Ils sont tout proches de nous. D'ailleurs, si vous les combattez, une retraite leur sera difficile. La fierté brilla alors dans le regard de Baligan. Son cœur s'emplit de joie et d'ardeur. Soudain, il se leva de son trône et s'écria. « Baron, hâtez-vous! Sortez de vos navires, en selle et chevauchez! Si Charlemagne ne s'enfuit pas, nous aurons assez tôt vengé Marsile. Et pour son point perdu, je lui livrerai la tête de l'empereur. » Les chevaliers de Baligan descendirent des bateaux et grimpèrent sur leurs chevaux et mulets. Ensuite, l'émir appela Gemalfin, l'un de ses fidèles, et lui confia la tête de ses armées. Tous chevauchèrent en direction de Charlemagne. Puis l'émir monta sur son cheval bai. Accompagné de 4 ducs, il se rendit à Saragosse. Dès son arrivée, Bramidouane accourut auprès de Baligan et se jeta à ses pieds en pleurs. L'émir la releva et tous deux montèrent dans la chambre de Marsile. Lorsqu'il vit entrer Baligan, Marsile demanda à 2 Sarrasins de l'aider à se redresser. De son poing gauche, il prit un de ses gants. « Seigneur roi, émir, je vous rends toutes mes terres ainsi que Saragosse, et le fief qui en dépend. Je me suis perdu et j'ai perdu tout mon peuple. » Et l'émir répondit. « J'en ai grande douleur. Je ne puis longuement parler avec vous. Je sais que Charles ne m'attend pas, mais je reçois votre gant. » Plein de sa douleur, il s'éloigna en pleurant. Il descendit les degrés du palais, remonta sur son cheval et le talonna pour le mettre au trot. Il chevaucha si rapidement qu'il rattrapa et dépassa ses armées. Au devant des troupes, il s'écria « En avant, chevalier ! Les Français vont nous échapper !» Pendant ce temps, l'empereur Charles était retourné à Roncevaux, là où fut la bataille. « Seigneur, avancez doucement, dit-il aux Français. « Car il faut que j'aille au-devant de vous afin de trouver mon neveu. » Un jour, j'étais à Aix où j'assistais à une grande célébration. J'entendis mes vaillants chevaliers se vanter de grandes batailles. C'est alors que Roland a déclaré que s'il devait mourir en pays étranger, on trouverait son corps devant ceux de ses chevaliers et barons. On le trouverait la tête tournée du côté de l'ennemi. Et qu'ainsi, courageux mourrait en vainqueur. Il chercha du regard son neveu et le vit, allongé là, dans le pré où les fleurs étaient vermeilles du sang des chevaliers. Il descendit de son cheval et coura auprès de Roland. Il tomba à genoux et embrassa son neveu, pleurant à chaudes larmes. Sa douleur était si intense que le roi sentit sa tête lui tourner. Tout doucement, le duc Nem, le comte Asselin,
Geoffroy d'Anjou et son frère Henri s'approchèrent de lui. Ils le prirent et le relevèrent. Le roi regarda son neveu gisant à ses pieds et lui fit ses adieux. « Ami Roland, que Dieu mette ton âme dans les fleurs et qu'il t'offre une place au paradis parmi les glorieux. Pourquoi as-tu suivi un si mauvais seigneur que je suis ? Pas un seul jour ne se lèvera sans que je ne souffre de ta perte. Comme ma force va t'échoir et mon ardeur, je n'aurai plus personne pour soutenir mon honneur. J'ai des parents, certes, mais aucun n'est aussi courageux que toi. » À pleine main, Charles s'arracha les cheveux. Les 100 000 Français qui assistèrent à la scène en éprouvèrent une douleur si grande que pas un seul ne put se retenir de pleurer. « Si, empereur, dit Geoffroy d'Anjou, ne vous laissez point aller à tant de douleurs, mais ordonnez plutôt qu'on recherche les nôtres sur le champ de bataille et qu'on les enterre tous dans une même fosse. « Sonnez l'olifant pour en donner l'ordre, demanda le roi. Puis le corps de Geoffroy d'Anjou retentit et les Français mirent pied à terre afin de rassembler tous les morts. Il y avait dans l'armée bon nombre d'évêques et abbés, mais aussi des moines, chanoines, prêtres tonsurés. On les bénit puis on fit brûler de l'antimoine et de la myrrhe afin de les encenser avec attention. Puis on porta les corps en terre avec tous les honneurs qu'ils méritaient. Alors les Français laissèrent là leurs amis. Que pouvaient-ils bien faire d'autre ? L'empereur fit aligner les corps de Roland, Olivier et l'archevêque Turpin. Devant ses yeux, on les ouvrit tous les trois afin de recueillir leurs cœurs dans un linceul de soie. Puis les corps des trois barons furent lavés et parfumés d'aromates et de vin. Et enfin, on les recouvrit de peaux de cerf. Le roi ordonna ensuite de conduire les trois corps sur trois chars, chacun recouvert d'un drap de soie de Galaza. L'empereur Charles s'apprêtait à retourner en France quand soudain les avant-gardes des Sarrasins surgirent. Deux messagers se détachèrent des troupes et vinrent auprès de Charles pour lui annoncer qu'il devait à présent se préparer à affronter Baligan. « Roi orgueilleux, tu ne pourras nous échapper. Baligan arrive, avec lui son immense armée qui l'amène d'Arabie. On verra bien si ce soir tu es toujours aussi courageux. » Portant la main à sa barbe, Charles se remémora amèrement ceux tombés au combat. Il observa alors tous ses hommes d'un regard fier, puis s'écria de sa voix forte et haute. « Baron français, à cheval et aux armes !» L'empereur fut le premier à s'armer. Rapidement, il revêtit son haubert, laça son aume et se ceignit de son épée joyeuse qui scintillait plus brillante que le soleil. Il passa autour de son cou un écu de gironne, saisit sa lance qu'on lui tendait et monta sur son bon cheval Tansendu, un magnifique animal qu'il remporta au guet sous Marsonne lorsqu'il tua Malpalin de Narbonne. Enfin, Charles lâcha au destrier les rênes, donna de l'éperon et prit son galop sous le regard de 100 000 hommes, tout en invoquant Dieu et l'apôtre de Rome. Dans toute la vallée, on vit s'armer les Français. Ils portaient des équipements parfaitement ajustés, montaient des chevaux vifs, et leurs armes étaient resplendissantes. Puis, ils se mirent en selle, les étendards pendaient jusqu'à toucher les haumes des chevaliers. À la vue d'une armée aussi magnifique, Charles sourit et déclara à ses proches barons Joserand de Provence, Nesme le Duc et Anthelme de Mayence. « Comment peut-on ne pas croire en de tels courageux chevaliers ? Ce serait folie que de se décourager au milieu d'eux. À moins que les païens ne se retirent devant nous, je leur ferai payer cher la mort de Roland. »« Que Dieu nous l'accorde !» répondit le duc Nesme. Charles appela Rabel et Guinemant et leur dit « Seigneur, je veux que vous preniez les poses de Roland et Olivier, que l'un porte l'épée, l'autre l'olifant. Prenez avec vous 15 000 Français et chevauchez devant toute l'armée. » Derrière vous, il y aura encore 15 000 hommes menés par Gibouin et Guinemant. Puis à l'arrière des Français, Charles forma d'autres colonnes composées de vaillants chevaliers, venant de Bavière, du Danemark, d'Allemagne, des pays nordiques, de Bretagne, de Flandre, de Frise, d'Auvergne et de Lorraine. Et aussitôt, tous les clairons sonnèrent à l'unisson, et plus haut que tous les autres, retentit l'olifant. Au souvenir de Roland, les Français versèrent des larmes. L'empereur chevauchait très noblement, sa barbe s'étalait sur sa cuirasse. Et par amour pour lui, tous les chevaliers français en firent de même. Et c'est ainsi que l'on pouvait reconnaître les 100 000 Français de son corps de bataille. Les armées de Charles passèrent les monts et les hauteurs rocheuses, les profondes vallées et les défilés, pleins d'angoisse. Ils sortirent enfin de ces dangereux passages pour arriver au milieu d'une grande plaine. Pendant ce temps, les messagers de Baligan revinrent auprès de leur seigneur. « Nous avons vu l'orgueilleux roi Charles, » dit un Syrien.
Ces hommes sont remplis de fierté et aucun ne saurait se dérober. Sire, vous devez vous armer immédiatement car la bataille est toute proche. Et elle s'annonce belle, ajouta Baligan. Sonnez vos clairons pour que mes hommes le sachent. Et soudain, les tambours roulèrent et un grand concert de bucines et de cors s'éleva parmi l'armée de Baligan. Les païens commencèrent à s'armer, mais l'émir refusait d'être le dernier prêt. Rapidement, il endossa une brune safrée, attacha son haume serti d'or et ceignit à son flanc gauche son épée. Parce qu'il avait entendu le nom que Charles avait donné à la sienne, l'émir, par orgueil, nomma son épée précieuse, qui devint également son cri d'arme. Tous les chevaliers le scandèrent. Puis il pendit à son cou un large écu. La boucle est d'or, le pourtour est garni de pierres précieuses et la guige est en soie brodée de rosaces. Puis Baligan saisit son lourd épieu qu'il appelait le mâle. La hampe était grosse comme une massue. L'émir avait un aspect royal, avec sa barbe blanche comme fleur qui s'étalait sur sa poitrine. Quant au courage, il l'avait souvent prouvé. Il enfourcha ensuite son destrier et piqua brutalement des éperons. Du sang jaillit tout clair des flancs de l'animal. Il partit au galop et sauta un fossé large de 50 pieds. « Voilà un homme qui saura défendre nos terres !» s'écrièrent les païens. « Tout Français qui osera jouter contre lui y perdra inévitablement la vie. Charles est bien fou de ne pas s'enfuir devant un tel homme !» Grand et fort, son fils Malparami était aussi très chevaleresque, tout comme ses ancêtres. « En avant, sire, en avant !» dit-il à son père. « Je serais fort surpris si nous voyons Charles !» « Nous le verrons, car c'est un homme très courageux, » répondit Baligan. « Bien des annales en tressent de grandes louanges, mais il n'a plus à ses côtés son neveu Roland, et il ne sera donc plus en mesure de tenir contre nous. Mes messagers m'ont annoncé que Charles a formé 10 grands corps d'armée, et ils sont en approche. »« Sire, je vous demande l'honneur de frapper en premier, » demanda Malprami. « Fils, je te donne mon accord. Va sans plus tarder frapper les Français. Emmène avec toi Torleu, le roi persan, et Dapamor, le roi de Lituanie. Si vous parvenez à mater l'arrogance de Charles, « je vous offrirai un pan de mon royaume, » répondit Baligan. Puis, suivi de son fils, l'émir chevaucha à travers les rangs de ses troupes. Les rois Torleu et Dapamor établirent immédiatement les 30 colonnes militaires. Baligan avait rassemblé un si grand nombre d'hommes que le moindre corps d'armée comptait pas moins de 50 000 chevaliers. « Bien fou est Charles qui chevauche vers nous. S'il ne prend pas la fuite, il y aura une grande bataille. Jamais plus il ne portera de couronne, » promit l'émir en contemplant ses armées. Entre les combattants, il n'y avait ni colline, ni vallée, ni tertre, ni forêt où une troupe aurait pu se camoufler. C'était une large plaine herbeuse où se faisaient face les deux armées. Elles étaient immenses et magnifiques. « En avant ! Chargez !» s'écria Baligan. Alors en réponse, un seul et même cri s'éleva des troupes païennes. « Précieuse ! Que ce jour soit le dernier de votre existence ! Mon joie !» répondirent puissamment les Français. Les clairons appelèrent les Français aux armes, mais l'olifant sonnait plus clair que tous. Ainsi commença la bataille. Les deux armées s'affrontèrent courageusement. Les païens étaient certes bien plus nombreux, mais la fureur des Français était si grande qu'ils massacrèrent bon nombre de chevaliers de Baligan. Soudain, au milieu du champ de bataille, Charles et l'émir se firent enfin face. Tous deux dressèrent leurs épées et se jetèrent l'un sur l'autre. Ils heurtèrent leurs boucliers, tranchèrent les cuirs de leurs armures. Le bois de leurs armes volèrent en éclats. Les clous et les boucles tombèrent. Ce duel ne pouvait se terminer que par la mort de l'un des deux hommes. « Réfléchis bien, Charles !» cria l'émir. « Deviens mon vassal et rends-toi en Orient comme mon serviteur !»« Ce serait parjure que d'accorder la paix ou l'amour à un païen !» s'écria Charles. « Accepte la loi que Dieu nous révèle. Deviens chrétien, alors je t'aimerai !»« Tu prêches là un mauvais sermon !» répondit Baligan. Et le combat reprit entre les deux hommes. L'émir porta ensuite un rude coup sur Charles, lui brisant son casque. La lame toucha le cuir chevelu de l'empereur, mettant à nu l'os du crâne. Charles chancela et faillit tomber. Mais Dieu ne voulait pas le rappeler à lui. Il le voulait encore en vie. Charles entendit au plus profond de lui-même résonner la voix de Saint Gabriel. « Roi Magne, que fais-tu ?» Alors Charles sut qu'il ne mourrait pas aujourd'hui. Il n'avait plus rien à craindre. Il se ressaisit et de son épée frappa l'émir avec tant de violence qu'il lui brisa son aumône. Ou flambèrent des gemmes. Il lui ouvrit le crâne dans un geyser de sang et de cervelle et lui fendit toute la tête jusqu'à la barbe blanche. « Mon joie !» cria Charles pour qu'on se ralliât à lui. La chaleur était forte et la poussière s'élevait dans l'air. Épouvantés, les païens jetèrent leurs épées et leurs lances et fuirent jusqu'à Saragosse, poursuivis à mort l'un après l'autre par les Français. Du haut de sa tour, Bramidouane vit au loin de ses armées en telle déroute qu'elle dit alors à Marsile. « Ah, gentil roi, nos hommes sont vaincus. L'émir a été tué si honteusement.
À ces mots, Marsile se tourna vers le mur, versa des larmes amères et rendit son dernier souffle. Après avoir infligé une lourde défaite aux païens, Charles abattit ensuite la porte de Saragosse, qui n'était plus défendue, et ses troupes se déversèrent dans la cité. 1000 Français fouillèrent la ville de fond en comble. À coups de masse, ils brisèrent les images et les idoles, tandis que les évêques bénirent les eaux. On mena les païens jusqu'au baptistère afin que tous se convertissent. Puis l'empereur gravit la plus haute tour et découvrit Bramidoine, pleurant sur le corps inerte de Marsile. Charles ne souhaitait en aucun cas lui faire du mal. Il voulait la ramener à Aix pour qu'elle se convertisse par amour et non par force. Le lendemain, Charles laissa à Saragosse une garnison de 1000 chevaliers, bien éprouvés pour garder la cité. Puis le roi monta sur son destrier et reprit le chemin de France avec son armée. Traversant les vallées et les montagnes, Charles chevaucha à vive allure. Parvenu enfin à Aix, à peine était-il descendu de son cheval qu'il convoqua tous les juges de sa cour. Pendant ce temps, on saisit Ganelon, le félon. On l'enchaîna à un poteau devant le palais. Plusieurs serfs le fouettaient avec des verges et des bâtons en attendant son jugement. Rapidement, Charles gravit les marches et entra dans son palais. C'est alors qu'une très belle jeune fille accourut au-devant de lui et demanda. « Où est Roland, le capitaine qui a juré de me prendre pour épouse ?»« Tu me demandes là des nouvelles d'un homme mort. Mais à sa place, je te donnerai Louis, mon propre fils et mon héritier. »« C'est impossible ! Sans Roland, je ne peux vivre !» répondit-elle tout en portant sa main à sa poitrine. Puis son visage pâlit et elle tomba aux pieds de Charles, inerte. Le roi crut à un évanouissement. Il s'inclina et la releva, mais sa tête retomba mollement sur son épaule. Après avoir compris que la ville avait quitté, Charles fit venir aussitôt 4 comtesses qui portèrent le corps de la jeune fille à un couvent, où on organisa une grande veillée avant de l'enterrer dignement. Enfin, commença le procès de Ganelon. Le traître se tenait fièrement devant le roi et ses juges. Il vit également 30 de ses parents qui assistèrent à son jugement. Puis Charles s'écria à voix haute et forte. « Seigneur baron, je vous ai convoqué afin de juger Ganelon. Ce dernier m'a accompagné dans l'armée jusqu'en Espagne. Mais contre de l'argent, il a trahi les 12 barons, faisant ainsi périr 20 000 de mes Français ainsi que mon neveu Roland et Olivier. « Tout cela est vrai, mais ce n'était pas une trahison. Roland m'avait grièvement offensé, c'est pourquoi j'ai cherché sa mort et sa ruine. En me désignant comme messager du roi auprès de Marsile, il m'avait condamné à une mort certaine. J'ai pu sauver ma vie par ingéniosité. » Puis le conseil se retira pour délibérer du sort de Ganelon. Quelques heures plus tard, les juges retournèrent auprès de Charlemagne et annoncèrent leur décision. « Nous vous prions d'accorder à Ganelon votre grâce afin qu'il continue à vous servir en tout amour et en toute foi. Roland est mort, ni or ni argent ne pourra vous le rendre. Vous êtes tous des félons !» répondit le roi. Et quand il comprit qu'il ne pouvait accorder sa confiance à aucun de ses barons, il inclina la tête et ajouta « Malheureux que je suis !» C'est alors qu'un duc angevin s'avança, Thierry, frère de Geoffroy. C'était un homme maigre et élancé, il avait les cheveux noirs et le visage à la pommade. Il s'adressa à l'empereur avec courtoisie. « Votre grâce, ne vous tourmentez pas ainsi. Je suis à votre service depuis longtemps, vous le savez. Roland a eu certes des torts envers Ganelon, mais il était à votre service. Or, en trahissant Roland, c'est envers vous que Ganelon s'est parjuré. C'est pourquoi je le juge coupable et le condamne à être pendu. Que son corps soit jeté en pâture aux chiens. Et s'il y a un seul de ses parents qui souhaite me contredire, je veux de cette épée que j'ai sainte soutenir sur l'heure mon jugement. » Pinabel s'avança et dit au roi. « Sire, je m'oppose au jugement de Thierry et je l'affronterai en combat. » Puis il remit au roi son gant en peau de cerf. « J'exige de bons otages, » répondit l'empereur. Les 30 parents de Ganelon s'offrirent en loyale caution. Puis, à son tour, Thierry présenta au roi son gant droit. Une grande prairie située à l'extérieur d'Aix avait été choisie pour lieu du duel. Un millier d'hommes s'étaient spécialement déplacés pour suivre l'affrontement. Les deux hommes étaient de vaillants chevaliers. Leurs chevaux étaient rapides et ardents. Ils lâchèrent à fond les rênes et de toute leur vigueur s'attaquèrent l'un l'autre. Leurs boucliers volèrent en pièces, les sangles des selles éclatèrent et les deux chevaliers tombèrent au sol. Ils se relevèrent rapidement et reprirent le combat. « Rends-toi, Thierry !» dit alors Pinabel. « Je consens à devenir ton vassal par amour et par foi, mais trouve pour Ganelon un accord avec le roi. »« Certainement pas !» répondit Thierry. « Honte sur moi si j'y consens. Que Dieu se prononce pour nous. Pinabel, tu es certes fort courageux, mais renonce donc à cette bataille. Je te trouverai un accord avec Charlemagne. »
Quant à Ganelon, justice sera faite de lui. Ne plaise au Seigneur Dieu, répondit Pinabel. J'entends bien soutenir mon parent. Je ne me rendrai pour rien au monde. Plutôt mourir que de subir un tel reproche. Et ils reprirent le combat. Pinabel abattit durement son épée sur son adversaire. L'arme ripa sur le haume, d'où jaillit une étincelle, et descendit jusqu'au front de Thierry. Du sang perla du sommet de son crâne, coula le long de sa joue et tomba sur son lobaire. Voyant qu'il était blessé, irrité, Thierry déchaîna sa lame sur la tête de Pinabel, faisant valser la moitié de son crâne, d'où sortit un geyser de sang. Puis il secoua son épée dans la plaie, et Pinabel tomba au sol, mort. Par cet ultime coup, Thierry remporta le duel. Les spectateurs autour acclamèrent le vainqueur. « Dieu a fait triompher le juste !» s'écrièrent les barons. « À présent, Ganelon doit être puni, ainsi que ses parents qui l'ont défendu !» Puis l'empereur Charles vint auprès de Thierry, entouré de quatre de ses barons, et l'embrassa. Il lui essuya le visage couvert de sang avec son manteau de martre. Délicatement, on désarma le chevalier et on l'aida à monter sur une mule d'Arabie. Il rentra à Aix sous les vivats des barons français. Que dois-je faire des parents de Ganelon ? Demanda Charles à ses comtes. Aucun ne doit vivre, répondirent-ils. Babrin, va, et pends-les tous à l'arbre maudit. Par ma barbe blanche, si un seul n'en réchappe, tu seras un homme mort, ordonna le roi. Avec 100 sergents, le viguier du roi arrêtèrent les 30 parents de Ganelon. Tous furent pendus. Ainsi, celui qui trahit, non seulement se perd, mais entraîne les siens dans la mort. Enfin, on procéda à l'exécution de Ganelon. On attacha le condamné par les pieds et les mains à 4 chevaux ardents et vifs. Puis on piqua les bêtes pour qu'elles avancent. Ganelon sentit ses nerfs se distendre, puis tous les membres de son corps se brisèrent. Le sang se répandit sur l'herbe verte. Ganelon connut une mort horrible, celle qui convenait à un homme condamné pour trahison. Car quand un homme en trompe un autre, il n'est pas juste qu'il puisse s'en vanter. Une fois sa vengeance assouvie, l'empereur appela ses évêques de France, ainsi que ceux de Bavière d'Allemagne. « Au palais, j'ai une noble prisonnière. Elle demande à recevoir la chrétienté, pour que Dieu et son âme baptisez-la. » « Ce sera fait, sire, » répondirent les évêques. « Nous lui donnerons des marraines, des femmes nobles. » Une grande foule s'était amassée pour assister au baptême de la reine d'Espagne, qui reçut le prénom de Julienne. Le jour s'en alla. La nuit se fit noire. Le roi était couché dans sa chambre. C'est alors qu'une vive lumière pénétra dans la pièce. L'ange Gabriel se tint devant lui et déclara « Charles, tu dois rassembler tes armées à travers tout ton empire. Va dans la terre de Libye secourir le roi Vivien, car les païens assiègent sa cité d'Inf. Là-bas, les chrétiens t'appellent et demandent à ce que tu viennes les sauver. » L'empereur était brisé et il aurait aimé rester en France. « Dieu, que de peine dois-je endurer dans ma vie ?» se lamenta-t-il. Et tandis qu'il tirait sur sa barbe blanche, de grosses larmes roulèrent sur ses joues.